Ah ok, c'est bon. Ça va, il fait que moins 50 en soi, moi Alors. ça me choque pas, hein. Alors ok, et ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est que peu importe la planète où tu démarres, ça c'est vrai que j'en souviens, peu importe la planète où tu démarres, en fait, tu as à chaque fois des conditions sur la planète qui vont faire que, en gros, tu vas commencer à mourir si tu gères pas ça, en fait. On va voir comment le gérer après, mais Alors, genre voilà. le moins 50? Donc là, par exemple, effectivement, c'est le moins 50. Il y a d'autres planètes où ça va être les radiations, il y a d'autres planètes où ça va être la chaleur, tu vois. Ouais. Donc voilà, alerte de l'exocombinaison, statut. Hein. Je vais attendre que tu finisses, comme ça on comprend ensemble tous les trucs au fur et à mesure. Ah bah tiens, voilà. Hey, coucou. L'arc de cercle à droite, c'est le bleu, ça doit être le cœur en fait, je pense. Je pense que c'est lié à ça, Oui, celui qui clignote, c'est celui où t'es... Bah là, par contre, on a froid, c'est dans non? le. J'ai l'impression. Ouais, on a froid. Alerte de l'exo, donc statut hostile, protection environnementale défectueuse, recommandation, scanner les environs pour localiser des ressources nécessaires à la survie. Donc faut appuyer sur C, sauf que le scanner est cassé si tu appuies sur C. Oui. Et donc il va falloir 75 poussières de ferrite pour les réparations. Ok, bon par contre en fait on meurt vraiment vite dès le début là. Ah oui. La Du poussière coup de machin, c'est ça? la ferrite on sait pas ce que c'est donc pour l'instant on va juste faire clic gauche sur des trucs et récupérer pour voir Et ce que on va ça le donne. découvrir. Donc ça par exemple ça m'a donné Poussière de la de ferrite ferrite. déjà. Moi, je pète tout, hein. Si je meurs d'entrée là je respawn ici de toute façon. Je sais pas, J'espère. j'espère. Par contre, oui, je vois plus grand-chose, hein. Je suis congelée. Et dès que t'as assez en fait tu vas pouvoir réparer. Comment l'inventaire. Il en faut Pour 75 ok. découvrir la touche. Bah, de toute façon, là, on est obligé de mourir. C'est quoi la touche de Ah, le bon l'inventaire? start! Oh, c'est vraiment un bon endroit pour start, hein. Ah, fallait peut-être pas parler de la troisième au début, hein. Nous, on veut attendre les gens, tout ça. La ferrite, t'en as sur tous les cailloux que tu casses, là, a priori. Oui, mais je voulais savoir en fait comment tu vois combien tu en as. Parce que t'as un Alors, en inventaire. bas à droite, moi, il me mettait combien j'en avais, puisque pour la quête. Ah, bah Et alors ensuite, là, tu du peux coup, appuyer c'est bon. sur tab. Pour ton inventaire et ça te Ah, le dit merci. dans exocombinaison du coup là tu peux voir combien t'en as tout le Oh, stockage 131, je pense que je suis bien, et donc non? voilà et donc là si tu vas sur tab dans multi-outils ton scanner tu appuies sur clic gauche dessus Oui. et ensuite tu cliques sur la poussière de ferrite aussi pour réparer et Je crois normalement qu'il ça a va été réparer réparé. voilà là ça a réparé et maintenant il te demande de scanner les environs donc tu appuies sur C Oui. et en scannant il faut vite trouver apparemment du sodium. Ah bah ça doit être le... Récolter Ah, du oui. sodium sur les petites plantes jaunes pour recharger la protection thermique. Donc Ah bah c'est ça veut ça dire qu'on que a les besoin, plantes jaunes, il y en a pas mal là. c'est du sodium qu'on a besoin. Ça c'est pas du sodium, Non, pas du c'est tout. des minerais. Oh là là. Des petites plantes jaunes. Ah mais attends là-haut. Na, c'est pas ça le sodium? T'es où? Je vois rien avec la glace. Appuie sur C si t'as réparé ton scan. Oui. Et du coup là où il y a marqué Oui, c'est bon, Na, je le vois. Tu vois quelque si, chose? hop. Ouais, j'ai récupéré. Et du coup, le sodium, je le mets vite dans la protection environnementale. Je le fais glisser, ce qui fait que ça y est. Ça y est, je ne meurs plus du froid maintenant que j'ai un Ah! PV. Incroyable. Ah, vite! Alors, est-ce qu'il. Ah oui, alors le problème d'être deux, c'est est-ce que tu vas en avoir, toi? Plante non identifiée, celle? Moi, c'était du sodium qui était à côté. C'était une plante. C'est une plante Oh, à t'es un ramasser, bonhomme. tu laisses appuyer sur eux et ça la ramasse, mais c'est celle que j'ai pris là. Appuie sur C pour scanner et recherche du Na là-bas. Na. Ouais, Viens, c'est viens, bon, je viens, le il y en a vois. juste à Je côté. vois, On je le va t'en vois, je le trouver, on vois. va t'en trouver. Moi, je suis destinée à crever! Oh là là, je suis congelée, hein. Je ne veux pas être Ouais, défaitiste, bah mais... attends, t'es. Ouais, bah viens, viens, viens. Ah, je suis congelée. Il fait Viens avec froid. moi, il est juste en face, t'es là. Il est juste en face, pour moi, c'est combien de temps, ça? C'est Dans juste là où je l'étage suis, c'est sud? juste là où je suis. Regarde, c'est Ouais, je ça, vois. ça, ça. Je l'ai, je Donc l'ai. ça, tu laisses appuyer sur E dessus, c'est du sodium. Je l'ai. Maintenant, tu fais tab. Et tu fais glisser du coup le sodium dans ta protection environnementale. C'est le deuxième truc que tu as en général, dans l'exocombinaison générale. Ça doit être bon. C'est bon? Ah Et oui! normalement, en bas à gauche, ça a chargé Oh, en fait c'est bon. la jauge. Ce qui fait que ça, en fait, la protection environnementale, c'est ce qui te permet de protéger contre l'environnement, donc le froid, le chaud, etc. Ouais. Et le deuxième truc, c'est ton oxygène, je crois. C'est le système de survie, le deuxième truc, qu'il faudra recharger en oxygène. Pour pouvoir respirer en fait. Mais il va nous en Sachant falloir. que, pour info, si tu appuies sur Tab, t'as vu, si tu passes la souris sur protection environnementale, ils te disent donc là tu peux charger avec du sodium, du nitrate de sodium ou des batteries à ions. Il n'y a pas que le sodium, tu vois, c'est marqué ce qu'il faut en fait pour Ouais. recharger quand tu passes la souris. Ouais, je le vois, je suis dessus. Par Tu contre, vois, s'il donc faut... il y a beaucoup d'infos sur le jeu en fait, il y aura beaucoup de choses à lire au début pour s'y faire, mais tout est notifié quoi. Il faut qu'on aille encore en chercher là parce que moi je suis à 18, c'est très peu. Ouais, il va falloir en chercher pas mal, ouais. Surtout qu'on est deux à devoir faire avec les ressources d'une planète du coup. Oui.
Mais au fur et à mesure, on va fermer des trucs en passant et qu'est-ce que je peux pas avec mon laser. Et là, en gros, l'objectif, ça va être de se rendre au signal indiqué. Ouais, c'est tout. Okay. C'est bien C pour scanner, hein, je suis pas folle. Ouais, c'est C. T'arrives pas? Bah là, j'appuie sur C, scan pas. Ah, ça y est, oula. Ouais, tu peux pas le... Je crois que tu peux pas le spammer. Hein. Ok, là, il y a NA au-dessus. T'as combien de pourcents, toi? Là, je suis bientôt à zéro. Bah, vas-y. Viens, tu vois mon pont ou pas? Bah, prends-le, moi j'en ai un autre au pire. Ah, t'en as un? Ok. Ouais, ouais, j'en avais vu un autre, vas-y, vas-y. Est-ce que ma vie était remontée entre temps par contre? Si je le vois plus, c'est qu'elle a dû remonter, je pense. Donc, ça, c'est vraiment d'abord, dans un premier temps, je pense, le truc important, on se recharge avec ça. Ouais, c'est bah, à chaque fois là que t'en vois, en vrai, il va falloir le farmer pour. Oh, première créature à identifier, incroyable. Il y a des créatures là où je suis. Ouais, il y en a une là où je suis aussi, mais d'abord je récupère le sodium là et puis j'arrive. Si t'es pas vers les zéros, ne le recharge pas forcément de. Enfin. Oui, pour pas gaspiller. Parce qu'en fait, parce que normalement dans le vaisseau, tu sais, tu peux recharger ça aussi. Du coup, okay. Tu recharges dans le vaisseau, comme ça tu gaspilles pas sur ta combi et. Ça marche. Tu vois le délire quoi. Je et suis en. On est pas très loin, je pense. Moi je fais quand même le plein en attendant, mais. Donc normalement on a chacun notre vaisseau. Et je vais vite rentrer dans le mien en fait. Comme ça, normalement, c'est censé. Voilà. Normalement, en bas à gauche, ça va recharger mon truc d'environnement. Vas-y, je te laisse entrer dans le tien. Comme ça, tu vas lire en même temps les itérations. Je pense qu'on va voir les mêmes trucs. Oui. Je suis en route. Ah, le stockage du vaisseau, je suis pas sûr que l'autre y accède par contre. On va tester, hein. T'as combien là de mètres? Si je mets ma petite souris sur toi, 408. Ah! Ok, bon. Propulseur de décollage, hors ligne. Pulseur réacteur, hors ligne. Bon, y'a rien qui marche, hein. Bon, y'a rien qui fonctionne dans ce vaisseau, mais on va s'en sortir. J'ignore totalement comment je suis arrivé ici. Bon, là c'est grave par contre, hein. Aucun souvenir de ma vie d'avant, en gros, super. Non, mais t'as dû te prendre un méchant coup sur la tête, je pense, hein. C'est toujours comme ça, tu sais, la plupart du temps. Le pire, c'est le. Mais ce vaisseau semble me reconnaître. Les commandes réagissent à mon contact. Ok, donc lire le journal ou connecter l'exocombinaison. Indisponible, très bien, bon, on va pas lire. Hein. Du coup, on se connecte quand même. Voilà, au final. On va faire un peu de lecture. Bah, en fait, non. Oh là, il a une tête bizarre celui-là, il va m'attaquer. En gros, on va réparer le vaisseau là. Ah bah voilà. Pulse réacteur. Je vois ton petit vaisseau. Ouais bah va dans le tien. Sauveur mythique, ça va toi tes stats là? J'ai voulu tenter un truc, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas possible. Je me suis cru dans un thème. Non mais c'est bon, hein, il moquait. Préparer le pulse réacteur du coup, sauveur mythique, plaquage métallique. Ah je te vois. Tada, je suis dans le vaisseau. Ok bon en gros faut réparer le vaisseau quoi. Bah d'accord, tu m'as spoilé. Connexion. Désolé, excuse-moi, je dis rien. Je sais pas, le vaisseau est peut-être en bon état, qui sait? Ah oui, moi elle me dit décollage imminent, paré. décoller de suite. Ouais, mais c'est bon, ce vaisseau me semble reconnaître. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Connecté. Vas-y, je te laisse faire ça. Ouais, journal disponible. C'est bon, vous pouvez partir. Vous pouvez vous échapper. Bah moi c'est bon, écoute, hein, je m'en vais. Je démarre et puis c'est bon. Non, ça, attends, ça c'est ce qu'il y a dans mon vaisseau déjà. Ah, point de restauration. Exocombi. Par exemple. Pourquoi ça si je peux appuyer sur X. Ah voilà, là je peux mettre soit dans vaisseau, soit dans. Ah voilà, qui attends, attends-moi, parce que. Inventaire. Non mais là je suis juste en train de regarder pour donner des trucs, c'est tout. Okay. Inventaire de l'exo. Par contre, ça je sais pas ce que c'est. C'est ça. Ah mais si, ça c'est ton vaisseau à toi en fait, je pense, non? C'est bizarre qu'il y ait moins de capacité du coup. Alors. Ok, ouais, je vois le. Où ça? Ah, attends deux secondes. Bah, quand tu ouvres ton inventaire et que tu appuies sur X sur une ressource, en fait, tu peux après faire glisser ailleurs. Hop. Ah oui. On est bon là? Ok, oh, c'est très bien ça, c'est parfait. Donc là, objectif c'est quoi? En fait, c'est de réparer ton vaisseau. Pour le réparer, du coup, il te faut un plaquage métallique déjà pour réparer le pulseur réacteur. Oui. Donc pour le faire, il te faut 50 ferrites. J'ai
Donc là, tu vas appuyer sur Tab. Et en vrai, peu importe où t'es, en fait, tu vas cliquer. T'as vu, il y a un truc qui clignote. Ah ouais. En fait, tu cliques dans un slot libre. Tu fais clic gauche et en fait, tu peux crafter comme ça. Par Ok. exemple, le plaquage, c'est 50 ferrites. Hop, tu C'est bon, cliques, j'en ça ai fait un craft un. plaquage. Ok. Maintenant Réparez-le. que c'est fait, il faut l'appliquer sur le pulseur réacteur. Donc là, il faut aller dans l'inventaire de ton vaisseau. Donc, il suffit que tu sois dans La la zone de ton vache. vaisseau normalement et tu appuies sur Tab. C'est quelque chose, hein. Tu cliques sur vaisseau, tu vas en haut, tu as ton exocombi ou tu as ton vaisseau. Tu as le pulseur réacteur, tu peux cliquer dessus Effectivement, ça a et été tu peux placé. réparer du coup. Tu peux cliquer pour réparer. Ok. Oh! Ok, donc ça Ça a c'est l'air bon. d'être Du coup, très deuxième étape. complexe, hein. Ça a l'air d'être très complet et tout, hein, quand même. Bah, en vrai, après, c'est toujours les mêmes méthodes, donc après, ça va. Hein. Ouais. Monter à bord du vaisseau et consulter les diagnostics du vaisseau. Ah ouais, merci. Bah de rien. Oui, Enfin, en même temps, comme ça. c'est pour ça, c'est bien de faire en même temps, parce que comme Oui. ça, on peut même lire chacun son Tu me tour, si dis tu quand veux, tu ou commences à quoi. appuyer, à passer du coup. Ouais, je suis dans itération, ouais, vas-y, appuie, appuie. Hein. Ok. Vaisseau gravement endommagé, éléments vitaux manquants, synthèse des composants requis Demander de impossible, l'aide. le plus... Allez, je demande de l'aide. Kira, viens m'aider! On est l'un à côté de l'autre dans la mouise. Viens m'aider. Ok, dans une cage de balise de détresse. Ok, donc on va aller récupérer dans une balise du coup ce qu'il nous faut pour le saut hermétique. Ok. Hermétique. Très bien. C'est Donc c'est où? C'est parfait. là-dedans? C'est celle-là. Est-ce qu'on va pouvoir... Ah, j'ai peur. Tu penses que c'est celle-ci? Parce que là, il y a ça. Au fond, il y a quelque chose d'autre. Je sais pas si c'est une balise. On va Balise de voir. détresse, si je laisse appuyer sur eux. Est-ce qu'on va pouvoir le faire tous les deux par contre? Vas-y, regarde. Moi je suis dedans, est-ce que tu peux le faire là? Là, je suis dedans. Alors, attends, prendre le diagramme planétaire. Hein? Je sais pas. Je regarde pas le bon truc, c'est ça? Dans la balise? Ouais, c'est Si? ça. Attends, Bah, du coup. diffusion. Non, mais t'es peut-être. Moi, ouais, je sais pas. Non, vas-y, vas-y. Bah, c'est bon, j'ai pris. Diagramme planétaire récupéré. Ok, et donc là, on a le diagramme planétaire, très bien. Comment ça marche? On appuie sur Tab. Sélectionner Sélectionner les les données. données. Ok, on appuie sur E dessus. Et ça va calculer un itinéraire. Oh la vache! Oh, c'est très grand quand même, non? Ok. Alors ça, c'est la planète où on est. Ah oui, voilà. Et t'as le C'est point où loin. on va devoir aller, quoi. Oh, Ah, mais... ça va être loin, je pense. Alors, oui, ça va être loin. Et j'espère que tes jambes fonctionnent correctement parce que là... Alors, avant d'y aller, tu vas aller dans ton vaisseau pour recharger, tu sais, jusqu'au bout, Oui, ton... tu as raison. Voilà. T'es combien? T'es comment niveau vie, toi? Bah, je suis full life. Ouais, nickel. Bah, toi aussi, non? Ah oui, nickel. Là, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis à 20%, c'est nickel. Non mais c'est la vie, tu parles, ou c'est le truc en bas à gauche? En bas à gauche, c'est pas ta vie, hein. Ta vie, elle est Attends. en haut à gauche, hein. Je regarde, attends. Comment je revois ma vie là du coup? Ah, c'est bon. Bah, c'est là où il y a un cœur et il y a un petit. Ça, c'est pas ta vie. Ah, c'est Si quoi? tu appuies sur Tab, c'est ton système de survie. Ah, Ça, bah, le c'est ton son. oxygène, en fait. Oxygène, il te faut gel de survie ou dioxyde. Donc, tu vas appuyer sur C. Et si tu vois de l'oxygène, bah, tu vas le récupérer pour le mettre là-dedans. Et d'ailleurs, là, juste à D'accord. côté, il y a de l'eau. Ben là, regarde, il y en a de l'eau 2. Ça, c'est plante, là, regarde. Il Ah y en a mais j'en pour tous ai les de deux, en ça, plus. j'en ai. Très bien. Voilà, Alors ben, prends ça. ces plantes. Non, j'en avais pas. Ah, attends, je vais montrer aux gens la différence aussi sur les vaisseaux pour la première ou troisième personne. Et ça, tu vois, oxygène, hop, tu peux le mettre, tu peux le faire glisser dans ton truc de survie. Genre, t'as vu, c'est super pratique, ça se fait tout seul. C'est très bien. Et Je ça se trouve que c'est remet très bien. full, tu vois, nickel. Et ça, c'est nickel. Il m'en faut encore, hein, parce que Alors, là. Ah non, c'est parfait. première personne sur le vaisseau, du coup. Et troisième personne, c'est où déjà là-dessus? Attends, ça se voit. N'hésitez Attends, pas. tu vois ou pas si je me. Attends. Oui, je te vois là, du coup. Je teste voir Est-ce si que le ça blindage est reste du correct. coup? En sachant qu'il y aura des vaisseaux, je pense, où ce sera mieux l'une ou l'autre, hein, par contre. Mais bon. Vas-y, on va aller au point où on doit aller du coup. Allez! Qui est à Oh, pas très loin, 900, hein! Non, mais ça va, 900 hein! Eh, c'est mètres. quoi, 900 mètres, ça va à pied? Ça y est, tu vois, tu t'éloignes de moi, tu commences! C'est quoi, à droite? À droite! Ah, on me dit que j'ai pas besoin d'aller dans l'inventaire pour recharger. Là, il y a un Qu'est-ce conteneur qu'il y a? endommagé! J'avoue, ces trucs-là, on peut interagir? Chercher, j'ai une batterie à ion! Oui! J'ai pas ça, moi. C'est du dihydrogène. Non mais attends, je l'ai eu. Oh, j'ai eu du métal rouillé. Mais je peux pas ouvrir l'autre. Ah non, parce que c'est toi qui l'utilise, ok. Inventeur de l'... Je sais pas, j'ai mis ça là-dedans, vas-y, je lâche. Ouais, c'est dans le truc jaune là que j'ai eu la batterie à ion. Jeune?
Ouais, dans le truc jaune là. Tac. Le truc jaune, y a rien. Ah bah si, y avait un truc, moi j'ai récupéré. Ah non, c'est là, c'est le truc rouge, pardon. Ah ouais, bah on a pas eu les mêmes choses dedans en fait, c'est tout. On a pas les mêmes choses. Alors par contre, alerte météo, y a un blizzard qui est annoncé. Alors c'est quoi un blizzard quand. Alors, en fait, de souvenir, quand il y a des trucs de météo plus violents que d'habitude, si on se met pas à l'abri, un type. Derrière un petit rocher comme ça. Ouais, voilà, un petit rocher ou voilà, là juste, non, tu vois, si on n'est pas à l'abri ici, là dans les fougères, là on est super bien. Ouais. Eh bien, ça finit eh bien, je crois que notre protection là, environnementale, elle va descendre beaucoup plus vite. Oh, ça ne m'étonne pas. Donc on va prendre beaucoup plus cher à ce niveau-là en fait. Moi j'ai regardé quelques films, notamment Seul sur Mars. j'ai regardé quelques films comme ça et ça se passait pas bien à chaque fois. Ok, donc là tu vois par exemple, tu vois qu'il y a des grosses flèches là en bas à gauche en mode tu prends cher. Donc, est-ce que, vu qu'on est proche de notre vaisseau, on retournerait pas... Attends, il est où le vaisseau? Ah oui, tempête en approche, j'avais très vu dans une grotte ou un bâtiment. Mais toi, t'es pas sur la tempête? Bah là, ça y est, rechargez votre protection environnementale avec du sodium, utilisez le scanner. T'as vu une grotte quelque part ou pas? Non, pas encore, mais okay, je cherche. Hein. Tu sais que moi j'ai déjà perdu le vaisseau, hein. On aurait peut-être pas dû rester mais ici. Mais quelle connerie, mais qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi pour... Et y avait... Oh là là. C'est pas une grotte là? Est-ce qu'on peut juste creuser? T'as trouvé un truc? J'ai cru que t'as dit est-ce qu'on peut juste crever? Non, non. Bon bah je vais fermer du dihydrogène. Non mais en soi faut pas paniquer. Hein. Il est où le vaisseau vraiment? Le vaisseau? J'ai aucune idée de Attends, il y a l'espèce d'halo de. Tant pis, on va aller à l'objectif. Hein. Tu veux qu'on aille à l'objectif dans cet état? Oui. Mais t'as perdu la tête. Ah bah tu sais, hein, le froid... On sait plus ce qu'on fait, hein. Non mais en vrai, le blizzard il va s'arrêter au bout d'un moment, je pense que... Il va s'arrêter au bout d'un moment. Non mais... Message de guidage, l'exocombinaison jackpack déchargé. Oui, c'est bien. Alors, ça finit comment? Bah ils sont morts très vite, hein, quand même. Hein. Tu vois, attends, là c'est ta vie en haut à gauche qui diminue maintenant, normalement. En haut à gauche? Oui, bah si... Oh là, attends, il y a la plante en plus. Ah mais c'est elle qui m'avait donné ce qu'il fallait tout à l'heure. Oh là là, je prends ce qu'il me faut. Il y a les O2. C'est elle qui donne de l'oxygène là, cette plante là où je suis là, regarde. T'es où? T'es là. Toi, juste. Oh là là, je glisse. Tu vois, elle attaque en fait et elle donne de l'oxygène. Si tu la tues, si tu la farmes quoi. Je vois pas de plante moi, mais Arme déchargée? Quoi? Ça se décharge en plus mais le rayon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, il me faut du carbone pour recharger ça. J'ai où le carbone? J'ai pas de carbone. Oh carbone, je crois que j'en ai. Je crois que j'en ai. Si mon multi. Mais si mon multi-outil il est. Comment je fais? Il faut vraiment que j'en récupère. J'ai du carbone, comment je te donne ah ça? Ah, mais le carbone c'est. En plus c'est basique à récupérer, je crois ça. Tiens, vas-y, appuie sur X dessus. Ah, oh, mais je t'en ai donné ton. Mais je t'ai tout donné! Ah ouais, merci. Tu m'en laisseras un petit peu, hein. Attends. Non, mais vas-y, garde pour le moment, j'utilise pas. Par contre, faut qu'on bouge, hein. On est en train de. Ça se passe mal, hein. Ah, ça se calme! Ça se calme! Oh, quel bonheur! Mais c'est ça vos tempêtes! Mais moi, ça me fait pas peur des tempêtes comme ça. Vous savez pas sur qui. Enfin, vous savez pas qui on est. Alors. Hein. Tempête. C'est fini la tempête, c'est bon? C'était ouais, c'est fini. Attends, juste. Comment je fais pour mettre. Faut que je fasse transfert rapide. Inventaire de l'exo, capacité. C'est ça? Non, je sais pas. Attends. Comment je le mets dans le multi-outil en fait? J'ai peur de faire une. Ah bah, je peux juste cliquer? Ah bah, je peux juste faire ça, ok. Ok, pardon. C'est bon, j'ai rechargé, merci. Ah, comment super. Je te redonne sans tout te donner du coup? Faut splitter avant, comment on split? Ouais, ça se trouve c'est comment un petit shift. Changer la taille de la pile, ok, comme ça. Z et S. Tac, par exemple. Et du coup, on va te donner. Tu es où? J'arrive dans hors de peux portée. Donner là. Ouais, c'est là, toujours pas. Qui lira. Merci, c'est bon 160. Rendu oui. Ouais, j'ai un peu, j'ai pris une petite part dessus. Prends. On joue ensemble. Ors le généreux, ils me disent, alors que je t'ai juste rendu tes ressources. Oui, par contre, j'avoue, Ors le généreux, mais il m'a rendu la moitié de ce que j'y avais donné. je rends les gens fous parce que je fais tout avec l'inventaire parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que X, mais apparemment avec X, on peut tout faire aussi. Mais avec X, apparemment, on peut recharger. Alors attends. Ah, recharger l'équipement, effectivement. Ok. Ah oui. Avec X, on peut recharger effectivement, l'équipement. Effectivement, c'est vrai. Voilà, donc par Sauf exemple, que bam. Vous êtes compliqué, les gars, de temps en temps, faut nous laisser faire. C'est vrai que mais c'est en vrai, je trouve ça beaucoup moins agréable de le faire avec X qu'avec l'inventaire, ceci étant passant moi. Ah ouais? J'aime bien faire glisser avec l'inventaire, tu vois.
Je vois. J'aime beaucoup. Mais c'est bon à savoir qu'il y a aussi cette méthode si jamais. On sait qu'il y a ça maintenant. Alors, où es-tu ? Ouais, c'est ça. Je retourne vers le point du coup, ouais. Qui est à 370 mètres. Je suis juste. On s'en approche tout doucement. Il y a pas un truc TP ? Ou comme dans It Takes Two, je peux pas sauter sur toi là et je suis accroché ? Peut-être moyen. Le carbone, normalement, c'est quoi ? C'était pas juste des plantes ? C'est pas sur les plantes normalement ? Genre celle-là peut-être ? Ah voilà, bah ouais, carbone, plante, c'est ça. Oui, celle-ci. Je savais bien que c'était des plantes normalement. Ce serait dommage de ne plus en avoir. Parce que là, par exemple, j'aurais été tout seul. Ah, mais t'aurais été gavé, hein. Non, c'est pas ce que je dis. Ah. Pas du tout. J'étais en train de dire si j'étais tout seul, du coup, je pouvais plus farmer. Parce que j'avais plus de carbone et mon outil était cassé. À zéro. Donc, en fait, sans toi, je pouvais plus farmer. Oh, je crois que ma partie était morte. On est complémentaires. Oh là là. Oh, la base. Mais c'est trop stylé, mais viens, on habite là-bas. Moi, le vaisseau de Sako, on l'abandonne. C'est pour ceux qui savent pas jouer les vaisseaux. Moi je dis ça, je dis rien. Alors. Quand je vois ce qu'on pourra avoir. Quand on va commencer à explorer avec le vaisseau, je pense que tu vas être en mode. On en reparlera, bon, bien, très bien, on en reparlera. Mais. On en reparlera. Mais là, pour le moment, ça me frustre de pas courir aussi vite. Alors je sais, hein, en fait, on est sur une autre planète, dans la neige. Tu cours à fond et ensuite tu fais le jetpack, tu vois, pour aller le plus vite possible. Ouais. Apparemment, vous voyez aussi des plantes qu'on peut récupérer avec eux, quoi. Bah, t'es juste derrière. Oui, mais on rentre ensemble. Alors, toutes les quêtes, faut vraiment qu'on les fasse tous les deux, hein, ouais. Donc, oui. Sois sûr qu'on avance, parce que sinon. Ça va foutre le bordel. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça, la plante cherchée ? Carbone ? Je sais pas. J'ai eu du carbone en cherchant dedans. Attends, je peux m'asseoir ? Bah voilà. Ah, super, je peux tourner la chaise. Tourner la chaise. Holo archive, j'appuie dessus. Ok. Vas-y, let's go, moi aussi. Vas-y, je te laisse lire. J'enregistre ce message au cas où d'abandonne dans le créateur pourrait être utile. Visière endommagée, vaisseau introuvable. Récupérer le matériel ou partir? Oh bah on fait récupérer le matériel. Bah partir. Ah bon? Mais je rigole. Elle me prend premier degré, t'sais. Ah bon? Le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant. Je voulais ronronner mais je me suis dit arrête. En crachant du matériel, j'ai désormais le seau hermétique et dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau. Yes! Celui qui m'a mené ici, qui m'a laissé ce message, s'était peut-être retrouvé dans la même situation que moi, c'est-à-dire dans la merde. Bon, du coup, on a le seau hermétique, oui, qu'il nous fallait pour réparer notre véhicule. Vaisseau. Attends, viens, là, viens. Il y a d'autres trucs. Oh là là, j'adore ce jeu. Ah oui, non, mais le jeu, de toute façon, c'est un jeu où il y a plein de choses à fouiller, à explorer et tout. Genre, vraiment, le jeu, il est... Il est incroyable, hein. Ok, mais c'est vide, en fait. Mais... On peut dormir peut-être. Vas-y, dors. Hein. Non, attends. Moi, j'attends pas le prochain non, bizarre. Il y a une capsule là, il y a un truc, il y a une balise. Elle me dit ça juste pour me faire venir, je suis sûr. Mais non, mais. Effectivement, machine endommagée, chose. Réparer les composants endommagés pour ouvrir. Oh, comment on ouvre? Il faut de la bave. Bave vivante. Bave. Bah. Une créature patote semblant être faite d'une bave visqueuse et suintante. Elle bouge doucement, comme si elle abritait un cœur qui battait. Ok, bon, dans tous les cas, on n'a pas ça pour l'instant, donc... D'accord. Alors, réparation du vaisseau, trouver un seau hermétique. Utiliser la visière d'analyse F pour localiser le vaisseau. Oh purée, c'était ça qu'il nous fallait. Ah. Le fameux F, on l'avait pas. Et là, quand j'appuie sur F... Installation de visière d'analyse. Non, mais ça, c'est la quête, ouais, il faut continuer avec ça. C'est fait exprès, en fait, maintenant, on va devoir réparer ça. La visière d'analyse est un appareil d'exploration planétaire qui localise et signale les points d'intérêt des environs. Elle peut être utilisée pour analyser la flore, la faune et les matériaux, les minéraux. L'analyse se traduit par des données qui ont une valeur commerciale. Ok, révèle aussi des ressources supplémentaires. Blablabla. Nanotube de carbone, élément nécessaire. Okay. Oh. Ok, bon du coup, faut le réparer quoi. Ça me vite à chaque fois. C'est même pas le réparer, c'est il faut la faire en fait directement. Ok, multi-tool. Est-ce qu'on a ce qu'il faut déjà? Nanotube. Attends, on me dit tu aurais pu le réparer dans le chat. Tu pouvais l'ouvrir, pardon. Comment ça, je pouvais ouvrir ça, la machine endommagée, je pouvais l'ouvrir? Bah là, on me dit vous pouvez récolter la bave pour ouvrir le conteneur. Oui, effectivement, capacité. Bah quand je clique dessus, oui. Oh oui, il faut que tu cliques dessus et tu mets exo machin et hop, je l'ai ouvert. Comment? Bah ouais, bah. En fait, il y avait la bave. Tu cliques dessus et tu fais exo. Mais où je clique? C'est ça que je comprends pas. En gros, quand tu cliquais sur ça, sur la balise endommagée. Il y avait de la bave qui apparaissait, un carré avec bave écrit dessus. Tu cliquais dessus, tu mettais genre exo combinaison et puis ça t'ouvrait ça. Ah bon? Oui.
Bon bah j'ai pas eu le temps de voir, du coup tu l'as ouvert. Bah tu le verras donc... toi, bah de toute façon dans les cas si c'était pas toi c'est à l'inverse, moi je l'aurais pas vu hein. Dans les deux cas de toute façon il y en a un des deux. Ouais cas, non, mais oui, non mais je sais pas, mais je savais pas que si on est pas obligé de cliquer. Je savais ouais, pas. Bah, du coup, je... Alors qu'est-ce qu'il y a là? Avoir une note, parce que j'ai pas tout compris en fait de comment ça marchait. Bon bah du coup je vais faire la visière. Hein. Mais c'est quoi du coup, c'est quoi ce machin là? C'est tout? De quoi? Mais t'as eu quoi du coup dedans en ouvrant? La bave. Oui mais t'as pris la bave. Ah c'est ce qu'il y avait dedans la bave en fait, c'était ça le contenu. Oui, 91 de bave. En fait, fallait juste que je le glisse dans mon inventaire, en fait, c'est tout. Ah, en fait, c'était le truc à récupérer, alors oui. Que moi, je l'ai pris pour le truc à payer, en fait. Moi en aussi, gros, je pensais que okay. C'était à payer, et en fait, non, si tu le récupères. Oh, okay, okay. En fait, ils étaient là, mais c'est cadeau. Ah, bah non, on doit payer. Non, mais c'est cadeau. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, ok, ok. On veut pas, ah, ouais, j'avais pas compris comme ça, en fait. Du coup, il faut faire la visière maintenant. Alors, du coup, multi-tool. J'ai un peu du mal avec donc, la ça, caméra. C'est crafté. Sauf qu'il me faut un nanotube de carbone maintenant, en plus. Donc, j'imagine je le fais là. C'est ça avec du carbone du coup. Tu fais ça où du coup? Dans ton inventaire, dans multi-outils. D'accord. Visière. Clac. C'est toujours les mêmes mécaniques hein, de toute façon après. Ouais. Ça va rester. Ok, bah du coup c'est bon, la visière c'est fait. Et analyser des objets pour obtenir des récompenses. Oula. Ok. Attends, je suis en plein craft. Je maintenir découvre. E pour marquer. Ah, c'est-à-dire que je peux marquer des trucs, ok, pour pouvoir aller les. Oh! Les chercher c'est ou très quoi. Stylé comment... comme visière! Comment j'enlève? Tu lâches F? Enfin, c'est pas ça? Non, j'ai marqué un truc. Que moi. Non, j'ai marqué un truc, je veux juste savoir comment enlever le marqueur en fait. Oui, si j'ai du mal, j'enlève. Quand t'appuies sur F, tu peux marquer des zones en fait pour y aller, en maintenant appuyé E. Ouais. Mais je ne sais pas comment j'enlève un marqueur MDR. Il n'y a pas de légende pour ça, si. Bah après, ça, tu te débrouilles. Non, il doit y avoir un truc. Qu'on pouvait récupérer directement. Attends, parce que okay. Du coup, les caches, il y avait celle-là. Il y en avait d'autres. Hein. Ah, mais le fait d'y aller, tu vois, ça m'a enlevé le truc là-dessus, le marqueur, je crois. C'est quoi, pierre de savoir? Une pierre de savoir. Pierre de savoir? T'en as eu une où? Attends, je vais le marquer. Hop. Elle est à combien? Là, elle est loin ou pas? 370, on peut le faire. Hein. Ça passe, hein. Ouais, on pourra y aller après. Mince. Ah, mais c'est quoi que j'ai fait avec une fois E? Ça fait tomber un truc aussi. Tu le vois, ça? Ça, c'est oui, peut-être je vois. Un... C'est la, bah, c'est la balise. Toi. Ouais, c'est un marqueur, Timmy. Si, je le vois. Ah oui, ça, je le fais tomber. Ok, mais c'est ouais, c'est pas le même marqueur que ce que je parlais aussi. Ok. Ah, il y a plein de... C'est vrai que c'est complet même pour marquer les trucs. Ok, on dit que les pierres de savoir, c'est en fait des mots dans une autre langue. Donc là, je regarde plus le chat, mais je sais pas si ça sera important pour nous ou pas, mais en tout cas, voilà. Bah du coup c'est ça qui va nous faire, parce qu'en gros tu as plein de dialectes dans le jeu, tu as plein de langues du coup, genre alien et tout ça quoi en gros, et c'est à force d'avoir des mots, bah du coup tu vas pouvoir les reconstituer pour comprendre des phrases une fois que tu vas les croiser pour communiquer et justement avoir des interactions avec quoi. Okay. Y a un truc caché ici, heureusement que j'ai fait le truc F, ah mais je peux pas creuser du coup là encore, on n'a pas l'outil ah, je crois. Le... Il y a un truc caché, là, il y a un truc à récupérer sous mais moi. S'il mais faut, en fait, faut faire le tour, il y a une grotte. On va aller à ton truc, tant pis, non. Il y a peut-être une grotte, non, si on fait le tour. Mais on peut creuser dans le jeu, donc je pense pas que ce soit une grotte, ah, c'est juste qu'il faut creuser. C'est juste un truc caché, il y a marqué enterré déjà, donc je pense pas. T'es où, toi? Je suis en train d'essayer de creuser le truc. Non, mais je sais qu'il y a un autre outil aussi pour creuser après. Il y aura un autre outil, donc à mon avis, ce sera ça. Je me tâte à repasser en première personne parce que ça me perturbe les déplacements du personnage quand je tourne à droite. J'ai l'impression qu'il est un peu lent, du coup, ça me perturbe. Bah, comme tu veux. Hein. Oui, je... C'est quoi ce bruit, t'as entendu? Non. Ah, bah, il y a Wally sur la map. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, ok. Ouais, il y a des trucs qu'il faut les scanner avec le bon... Il y a un truc que j'ai pas bien fait ou quoi? Bonne technologie, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tester la visière. Parce qu'il me redit le truc. Ah, c'est bon. Message de guidage. Pourquoi il me redit tester la visière d'analyse F 0 sur 1 Bah. Ouais, moi aussi, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas localisé le vaisseau, je pense. Très bien. J'ai pas fait le truc pour le vaisseau encore. Hop, sodium. On va ramasser un peu d'oxygène aussi. C'est vraiment les deux trucs de base. Avec le carbone, du coup, trois trucs. Trois trucs importants de départ. Okay. Ah mais du coup les plantes aussi je peux les scanner logiquement. C'est vraiment bien foutu hein. Ah mais le jeu est giga complet au final.
Ouais. On dit qu'il n'y aura pas de Léviathan dans le jeu, du coup je suis pas mal contente. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ta planète? Que les gens ont planète, quand même, il pourrait y avoir des choses sous l'eau, tu sais. Attends, et de quoi il y a de. Comment ça, de quoi l'eau? Il y a de l'eau ici? Enfin, on va aller dans l'eau des fois? Bah, ça se peut, oui. Oh non. Oh non, 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 moi je n'avais pas signé pour ça, on n'avait pas parlé de l'eau. Par contre, c'est loin de ton truc ou pas? C'était à 300, là c'est à 132. Vas-y, hein. Tu le vois pas, toi? Ah non, c'est de toi savoir, qui... Bien. Ah si, ça m'a l'air... Oh, il y a une grotte. Du coup, ah, trop si, bien. Je crois que je l'ai, ouais. Okay. Ah non, mais je croyais que comme tu l'avais marqué toi, c'était que pour toi, je pensais. Non, non, c'est pour les deux. Alors la question juste, c'est est-ce qu'on va pouvoir... Mais je peux pas la toucher, tu vas regarder. Oui, enfin, ça revient au même parce qu'on va avoir le même problème. Vas-y. En fait. Vas-y, et puis je regarde. Vas-y, bah vas-y, moi je me suis mis. Voilà, j'y suis. La pierre résonne, produisant un son qui emplit mon esprit. Une vision commence à prendre forme. Une petite forme de vie extraterrestre s'agenouille devant moi. Elle est fatiguée et blessée. Elle me tend la main en évitant mon regard. De lui donner de l'argent ou refuser. Hein, t'as ça, toi? Non. Je dois le payer. Moi, j'étais en mode d'accepter le savoir. Le nom Jek ou Gek, je sais pas, flotte devant mes yeux tel un écho de l'étrange vision. Ok, un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. Ok. Oh, vous avez appris le mot Gek ou Jek, on sait toujours pas. En plus, c'est le. Oui, bah, c'est... en gros, le premier mot qu'on apprend, j'avoue, c'est. Généralement, il est lié au. Bah, à la langue, en fait. Là, en gros, on a appris le mot qui veut dire la langue, en fait. Ok. Enfin, le nom de cette langue, en tout cas. Derrière toi. Ah, ok. Du coup, vaisseau, c'est marqué, c'est bon. Attends, attends, attends. Derrière toi. Quoi? Regarde là. Il y a un énorme trou, j'ai envie d'aller voir. Est-ce que c'est juste un petit tunnel où tu passes? Est-ce que c'est le bon bail là au début d'y aller? Je sais pas, mais t'as sauté donc maintenant oui. Attends, mais il y a un truc là-dedans. Attends, 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 flore dangereuse hein, ici. Hein. Mais je la pète, je moi. Je ne peux pas, je peux pas la scanner. Le truc, tu sais, c'est bon, elle a des pop. Par contre, moi je c'est me dis quoi, oxygène x9. Oxygène aussi, ouais, ok. Attends, je vais recharger par contre. Oxygène, faudrait que j'en farme un peu d'ailleurs. De toute façon, on se passe hein, les trucs, hein, t'inquiète. Hein. S'il faut. Ouais, on ouais, se t'inquiète, passe, t'inquiète. Pas un souci. Ouais, bien sûr, bien sûr. Y'a quoi là-dedans? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Le pire truc à faire. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il y en a? Je chuchote parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Bah là, à droite, t'as les plantes, non? Bah ouais, totalement. On va se faire défoncer. Hein. Ah, mais attends, elle donne du sodium, celle-là, elle donne pas de l'oxygène. Aïe! Oui, bah oui, j'ai vu, pardon, j'ai ripé. Oui, j'ai vu, oui, moi aussi j'ai vu, j'ai senti aussi. Ah mais ça va, c'est vide. Y a rien du tout là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette planète de Pécor? C'est toujours quand je dis ça qu'il se passe un mauvais truc par contre, mais... Tu m'étonnes. Là, il y a une petite plante verte non identifiée. Là. Mais d'ailleurs, oui, j'en ai marre d'avoir les trucs non identifiés, je vais identifier aussi ces comment trucs-là. Comment t'identifies comme ça. Bah tu... Une fois que t'as appuyé sur F, tu laisses appuyer clic gauche. Merci. Ah mais du coup tu l'as pas fait une seule fois parce non, que c'est pour ça alors, le... t'as pas validé voilà, à droite. Du coup c'est pour ça d'où le message. Ah non mais moi ça m'a toujours pas validé donc localisez je me suis votre dit, vaisseau maintenant, ça me dit. Mais en fait oui fais-le parce que enfin déjà ça te donne des récompenses et en plus maintenant quand tu regardes bah là par exemple si je m'approche il y a plus marqué non identifié, il y a marqué ok ça ça donne du dioxyde poussière de sphérique tu vois. Mais c'est trop bien. Tu vois ça te marque tout après une fois que tu connais ça c'est carbone et mordite. Alors par contre il y a deux couleurs. Et quand je farme avec ça, je crois que j'ai que du carbone. Est-ce que ça veut dire qu'il faut farmer avec un autre outil pour avoir la deuxième ressource, peut-être? Peut-être. Ah non, non, je l'ai eu aussi. Absolument pas. Ok, ok. Moi, je ramasse 2-3 trucs, ça fait plaisir. Ah oui, oui, il y a du TK par contre, hein, faut faire attention. Ah oui, oui, oui. Aïe, arrête, arrête. J'ai oublié de te dire un truc, j'ai changé ma sensi. Allez, bon, on va ressortir de là, on va continuer un peu le tuto parce que comme il prend un peu de temps aussi, on va essayer de le finir. Bien sûr.